Salut à tous, c'est Damso et on est de retour sur Alien Isolation. Alors ça, j'avais fait ça. Je rappelle que à la fin de l'épisode, j'ai réactivé un truc et j'ai vu plein de personnes courir. Généralement, c'est pas bon signe quand des gens se mettent à courir. Du coup, il y a quoi par là? Ok, bon, attendant, je vais quand même aller jeter un coup d'œil pour voir pourquoi est-ce que les gens couraient. Il y a forcément une raison, hein. Bon, va falloir qu'un jour aussi je cherche c'est quoi le bouton sprinter. Parce que sinon je suis parti pour un... Bienvenue à la station Sébastopol, votre foyer loin de chez vous. Ah, c'est un foyer Sébastopol maintenant. Allez, on ramasse tout. Et en face, il y avait quoi? Ah mince, et les mecs, ils ont réussi à passer? Oh, c'est des beaux gosses quoi, parce que là, je vois pas comment passer moi. Fumigène. Non, y'a rien, ok. Bon bah les mecs qui sont plus forts que moi. Ok, si j'appuie ça, il passe rien. Là il passe rien. Ok, donc ça c'est courir. Ok, j'ai trouvé comment on fait pour courir. Ça c'est bon. Hop. Aïe. Bon, note à moi-même. Une fois que je vois un truc électrique se baisser, c'est cool, hein, c'est beau. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, si, vu le titre du jeu, je me dis qu'il y a des aliens et je me dis que les aliens c'est des racailles quoi, ils ont tagué les murs. Putain, les mecs, les aliens ils ont attaqué la station, ils ont tagué les murs, c'est des monstres. No entry. Soudeur ionique nécessaire. Mais j'ai pas le soudeur ionique, t'inquiète pas. Là, y'a rien. Ok. Normalement, apparemment, on a l'air d'être assez bien guidé. C'est qu'ils font croire qu'il y a plein de chemins, mais en fait, c'est assez limité. Donc, il y a peu de chances de se perdre. Soudeur ionique. Porte fermée. Globalement, il y a vraiment une sorte de ligne droite à suivre. À mon avis, quand ils vont commencer... Ah! Coucou vaisseau! Je suis ici! Je suis là, Verlaine! Alors j'avoue que j'ai essayé de crier à travers les murs, je suis pas sûr qu'elle t'entende. Ah! Ah, en plus on a les volets automatiques, et toute option. Y'a un truc particulier ici? Non? Peut-être passer par là. Ok, en fait, fallait bien passer en haut, mais il fallait aller au bout. Apparemment, j'ai l'air d'avoir une endurance limite pour courir. Je vais tester justement. Est-ce qu'à un moment, mon personnage va fatiguer? Non, il a pas l'air fatigué, il court bien. Ah! Oh, ça c'est beau ça! Utiliser. Trop loin. Utiliser. Allez, et 1! Et 2! Et 2, 3! Ah, les mecs, ils ont la belle vie quand même! Une salle d'arcade! Ah, fumigène, je t'ai vu! Je dirais que j'ai vu une ombre là. Je pense que je suis pas doué là. Bon, j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai vu quelqu'un courir, parce que j'ai vu une ombre, mais apparemment il n'y a personne. Franchement les mecs, vous êtes méchants, faut pas me faire ça. Des trucs à ramasser? Ça c'est quoi? Lire? Le Jones, update du jour.
Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ouais, ça a l'air d'être au bordel. Petit coup de terminal. C'est quoi les nouvelles du jour? Débrancher la prise. Zoé, Je suis désolé, je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique Badley depuis quelque temps déjà. Je ne pourrai plus retenir les créanciers plus longtemps. Il n'y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol. Et puis il n'y a pas que nous, on dirait que la station tout entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout. Ils vont tout vendre pour des miettes, je suppose. J'ai parlé avec un des ingénieurs et ils pensent qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis ça pour que tu ne t'énerves pas ici et chercher un autre emploi. C'est fini, Sébastopol, il est temps de passer à autre chose, Harper. Ok. À tous les employés du terminal, des vols spatiaux. Dans l'intérêt de la sécurité publique et afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Les marshals de la CONI sont actuellement en train d'enquêter sur les problèmes qui affectent la station et communiqueront par la suite. Message du bureau Marshal White, ok. Apparemment ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo est l'IA, intelligence artificielle, centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sixon sur Sébastopol. Elle supervise également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre de bonnes mains, Sixon. Ensemble pour demain, Sixon Corp. Ouah, franchement, ça vend du rêve. Si je les connaissais pas, je voudrais travailler chez eux. En même temps, je les connais pas. Ok, la sauvegarde, c'est fait. Ah, j'ai trop vu la tête. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a des conduits cachés. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Je vais par là. Coucou, je suis dans un conduit, je vois rien. Je pourrais pas mettre des néons dans les conduits. Bonjour. Moi je suis désolé, des lampes ça bouge pas toute seule. Il y avait quelqu'un devant moi? Ouvrir le conduit. Sortir en escaladant. Je suis où là? Hop, on va se relever un peu. Ça non, ça c'est une porte fermée. Ok, de toute façon une porte pour qu'elle puisse ouvrir, il faut une lumière verte dessus, je dirais. Ça m'a l'air. Tout est en train de partir en morceaux. Ah bravo! Alors là franchement, heureusement que tu me l'as dit hein. Ça c'est un personnage perspicace. C'est quoi ça? Dernière fois que j'ai vu un robot comme ça, c'était dans Judge Dredd. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi ici? Ah! Il y a un bouton vert ici. Ah comment? Oh je suis trop bon, j'ai déplacé un robot. Allez les mecs, franchement, si j'ai pas gagné un... quelque chose là. Donc ça veut dire qu'il devait boucher un chemin et on va se baisser. Et on va y aller. Et j'aime pas les trucs électriques, je veux pas mourir. Le dernier truc électrique que j'ai touché, là, il m'a bouffé une partie de ma vie. On va se relever. Bah, pour l'instant je fais mon malin parce que c'est tranquille, je suis en simulation de randonnée, mais David, le jeu il va pas rester simulation de randonnée éternellement. Il va bien se passer un truc un jour. Même si j'ai vu des mecs courir et ils m'ont même pas dit bonjour, franchement, l'accueil est mauvais. J'ai encore vu quelqu'un courir. C'est vraiment pas accueillant, hein. M'étonne pas que les gens ils se cassent d'ici. Non. Mais tu t'es caché où toi? En plus tu devais te cacher ici? Y'a quoi ici? Qu'est-ce que tu foutais là? Bizarre les gens. Ça, je dirais que c'est un trou de... une pièce de quai. Une gare. Il y a un truc là.
Non, ça c'est un ordinateur. Oui, retenez bien surtout, les ordinateurs du futur, c'est des Minitel. J'espère que vous n'avez pas encore revendu votre Minitel. Il va certainement servir, c'est utile ça? Non. Bonjour. Ah mais non, on est chez Air France en fait là, ok. Ok, je comprends, ça c'est les postes de chez Air France, on trie les valises, on fait tout ça. Non, il faut une torche à plasma. Ah, là-bas c'est ouvert. Ouh, 3 plus beaucoup. Oh, y a, mais ça, je pense que c'est des corps. Mais c'est une catastrophe ce qui s'est passé ici. Ici Turner, j'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Putain, mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement est... Enfin, mal-toi le cul, tu veux. Toi aussi, t'entends des bruits partout bizarres et ça te fait peur. Ça doit sûrement être la sortie. Ouh. Ah moi je vous dis, je joue un personnage qui a des sacrées idées. Bon sincèrement, je trouve que c'est très très sombre. Moi je dirais même que c'est trop sombre. Il faut rétablir le courant, donc c'est pas là le chemin. A mon avis plus tard je courrai plus, mais tant que j'ai rien vu de méchant, je cours. Coucou, je vais enregistrer mes bagages. Non? Vous voulez pas? Coucou la porte. Non, y'a rien. Là c'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, ah ça je suis bon à ça. Ah ça je sais le faire, c'est bon ça. Allez, encore un. Ah c'est trop bon. Ah ma pied triplé, franchement faut heureusement que tu sais vers ça. Oui, il y avait un truc particulier ici? Non, on dirait pas. Coucou! S'il y a quelqu'un, bah moi je suis pas là. J'ai entendu un. J'ai pas fait semblant, hein. Ouais, y'a rien là-dedans. J'ai entendu un bruit quand même, je suis pas fou. C'est mauvais signe. Quand on entend des bruits comme ça, généralement... alors tout a l'air fermé. Lui veut son soudeur ionique. Je pense que lui c'est fini déjà. C'est très très sombre comme jeu. Là pareil, mais ça tord sa plasma. Conclusion, je passe par où? Ah. Ah, attends. Attendez, si j'appuie sur A pour l'inventaire et que je sélectionne le fumigène et que je fais R, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais raté? On sait jamais quand même. Je joue dans un jeu qui est plutôt très très sombre. Puis si jamais on m'agresse, je lance le fumigène sur quelqu'un, je suis un fou moi. Je vous préviens, je suis un fou, j'ai un fumigène à la main. Alors, apparemment, je suis déjà paumé. Carte. Donc, il m'a dit où je devais aller. Moi, je sais pas comment y aller. Ah, c'est vrai que j'ai rétabli le courant. Peut-être que la porte s'est ouverte là-bas. Bah du coup, hop, et tiens. Non par contre... Ah. J'ai gaspillé mon fumigène. Bon toi, tu me refais un coup comme ça, franchement je te tue. Tiens, prends-toi un fumigène. Bon j'avoue que j'ai gâché un fumigène.
L'autre, il m'a un peu servi. Je voyais rien. Ah, je savais que toi tu t'ouvrirais. Enfin, attends quand même que j'arrive. Bonjour. Attends, ce magazine, il m'a l'air pas mal. C'est quoi? Peut ramasser? Non, je déconne, attends, un peu de sérieux les mecs quand même. On les a pas encore vus, mais vu que dans le titre il y a Alien, on sait qu'il y a des aliens. Alors c'est quoi ça? Une sauvegarde, et c'est quoi ça? Attends. Il faut maintenir. Et une fois à l'intérieur, il faut lâcher, d'accord. Ici, je rappuie, je sors. Ok. Ça, je pense que ça devrait certainement beaucoup me servir. On va sauvegarder la partie. Parce que là, je vous préviens, vous suivez l'aventure d'une grosse Starlose. Bonjour. J'espère qu'il n'y a personne, hein. Si je dérange, vous me le dites, je repasserai. C'est chelou ça. Je vais pas y aller. Moi dans ma tête j'ai un truc. Une coulée de trucs comme ça, ça ressemble à une coulée de bave. Et... là aussi. Ça c'est une fuite d'eau on va dire, parce que sinon il y a du baveur dans le coin. Et le seul baveur que je connais, c'est un alien, j'ai pas envie que ça bave. Oh attends, même les calculatrices sont modernes quoi, franchement... tiens, je peux même jouer à la Super NES, enfin à la NES. Utiliser. C'est en anglais, c'est pas cool. J'aurais pu traduire ça au moins. Là y'a rien. Putain! J'ai cru qu'il y avait un alien qui criait. En fait non, c'est un conduit qui s'est ouvert. Oh merde. Ah putain, c'est que le premier corps que tu vois ou quoi toi? Attends, pourtant c'est quand même moi qui te manipule et je peux te dire que les corps, on en a croisé un paquet hein. Ah ok, faut le pousser. Elle grimpe pas toute seule. Attention. Je préfère crier hein. C'est jamais. Parce que depuis que je vois de la bave, que j'entends des hurlements bizarres, que je vois des cadavres partout, je me dis que la situation... elle empire un peu, c'est quoi ça? Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous savez tout? Très bien. Ma plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger, c'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure. J'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... putain. J'écris trop. Personne n'est venu. Je me les peine ici. Je crois que cette saloperie marche même pas. Ok, alors apparemment le mec il était coincé ici et il s'est éclaté à enregistrer quelque chose. Ah, une plaque d'identité. Y a un rapport avec les plaques d'identité plus tard? Ah! Tu me donnes ça s'il te plaît? Ah mais tu vas le lâcher, oui! Ça te servira plus à rien toi de toute manière. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Tout à fait, franchement. La même chose qu'elle. Par contre, t'es des cafards que j'ai fait partir? Putain, mais tu te rends compte, tu t'es fait coloniser par des cafards. Alors, retirer. Ah, attends, c'est ça. Alors, c'est quoi les boutons?
clic droit, clic gauche. Q. Pour moi, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'à chaque fois pour faire quelque chose, il nous donne les touches. Mais je trouve que c'est plutôt très bien. Parce que sinon, on resterait souvent. Oh putain, cet outil pour que je ne commande déjà. Oh là, qu'est-ce que je dois faire? Hop. Sauf que là, je vais quand même arrêter de raconter ma vie. Il y a toujours une fuite d'eau ici. Enfin, pour moi, c'est une fuite d'eau. Parce que si c'est un alien, je suis pas rassuré. Ok. J'ai entendu un truc bouger. C'était pas moi. C'était métallique. C'était dans un conduit, je pense. Cette salle, c'est quelque chose. Ah, encore un. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cri de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il est aussi enfermé. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Ah! Donc lui parlait du corps qu'on vient de trouver. Ok. Donc apparemment il y a quelque chose de bizarre ici. Coucou, je ressors. Et je vais courir. Attendez, j'ai pas sauvegardé. Et je vais recourir mais dans l'autre sens. Dépêche-toi, je suis pressé. Tiens, je retrouve, il y a Adeline qui me poursuit, j'arrive et la porte s'ouvre, elle se ferme. Comment, je suis dans le caca? Ok, hop, hop. On se casse. On va... C'est moi qui ai donné un coup dans la canette? Punaise, je me fais peur tout seul. Franchement, si on donne des coups dans le décor, faudrait nous prévenir. Alors, derrière moi, y'a personne. Hop, on y va. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas, pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Allez! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour 6 Tech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. C'est quoi un pépin? Et c'est quoi un tueur? Moi je suis venu jouer un alien. Hop, et puis Q. Oh là, je maîtrise. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Attends mec, attends, moi je viens d'arriver là. Oui. C'était toi qui me suivais là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Curieuse, c'est ça? J'y serais bien allé si j'avais écarté mes trucs. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey,
pas un geste. Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Bonne chier. Non, mais sans déconner, pourquoi la pièce noire, je peux pas entrer dedans? Pourquoi je veux savoir à quoi tu joues. Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Vas-y, mec, passe devant. Passe devant, je te poursuis. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Attends, mec. J'ai trouvé ma sauvegarde. Ok, hop. J'arrête ici le deuxième épisode. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour peut-être enfin un alien, hein. Pour l'instant, on est vraiment en simulation de randonnée. Allez, ciao à tous et à demain. Bye bye.